Voilà, comme je disais, ce n'est pas mon jour de boulot. Voilà, je vais prendre l'essentiel de l'action que tu dois recevoir. Voilà. Mais c'est important qu'on s'écoute. Tu me regardes. Il y a même des regards en corneille. Un milliard comme ça. Tu n'as pas qu'en arrière, je vais toi. Viens ici. Et toi là. Tu me regardes tes yeux de sorcière. Regarde devant comme ça. Comme ça, elle vient, monsieur. Viens parler avec elle. Toi, tu es gros. Hé, on ne fait pas ça ici. Ce que tu entends, on ne fait pas ça. Je ne veux pas trop de bruit ici. Je suis le seul à parler. Pourquoi vous allez me mettre dans un autre état que j'ai déposé le micro parti. Monsieur, tu es sorcier. Hein? Tu peux le faire. Et toi, tu es venu avec qui? Sinon, mes parents. Ils sont où? Il est sorcier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Là, son petit frère est décédé. Puis, à mon absence, il est venu se confier à madame pour dire que ah, c'est lui-même qui l'a tué. Et qui il est pour vous? Moi, c'est mon premier fils. Ça, c'est une chose en forme de sa mère décédée. Les sorciers. Et tout. D'attendre, j'ai fini la vie là. Hier, tu es venu. Elle est venue quand elle? Je vous informe qu'on a la brigade anti-sorcier. Non, ne fait que ça. Voilà, nous, les sorciers, on les met au pas. Il faut les mettre au pas, il faut les délivrer pour qu'il y ait moins de crimes dans le pays, dans la nation. Parce que si vous ne les mettez pas la main sur eux, eux, ils mangent. De toute façon, on mange à Gouti, qui est genou de poulet. Eux, ils mangent chaque jour. Donc, les morgues se remplissent à cause d'eux. C'est vrai qu'il y a la mort naturelle. Bon, une femme qui, un homme qui meurt à 80 ans, c'est bon. Un jeune de rien, comme le monsieur ce qu'il vient de dire. L'enfant qui est mort avec quel âge? Il est mort en 2005. Il avait quel âge? Il était au. Et puis c'est maintenant qu'il a dit? Non, c'est sur le champ qu'on a enterré le corps en même temps. Moi, il est allé derrière les parents. En 2005. Il est mort en 2005, le 8. Ah, mais il y a longtemps. Et même quoi, vous savez maintenant où l'envoyer? Non, il y a un grand frère aux États-Unis qui a vu votre lettre là. Donc il est venu parler, non, moi j'ai tué l'enfant, il continuait de manger. On l'envoie à l'église, il a fait des. Moi, des aveux. Dans quelle église? C'est où se trouvent les bons pasteurs? Non. Il y a marre. Je ne sais même pas que tu interviennes comme ça. Je ne suis pas plus supérieur que tous les pasteurs. C'est seulement demander au pas. Non. Est-ce que ça existe même mon pasteur? Il y a des gens qui ne sont pas appelés chrétiens, mais l'expression là, c'est choquant, j'aime pas. Moi, je ne parle jamais mal d'un pasteur. S'il est mauvais, c'est pour lui. C'est lui qui a le juger, ce n'est pas à moi de le juger. Je ne suis pas appelé à ça. Le travail qu'il doit faire, c'est d'attaquer la sorcellerie et de prêcher la bonne nouvelle, pas d'aller insulter quelqu'un. Ce n'est pas mon travail. Celui qui fait ça, il est satanique. Ce n'est pas un ministère. Le ministère de dénigrement, là, ça appartient à Satan. Nous, notre ministère s'annonçait la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, si lui dit qu'il sait Dieu qui n'est pas dans la vérité, c'est à Dieu de le juger. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Toi, tu as critiqué quelqu'un qui ne sait pas bien Dieu. Qui soit là, ça ne change rien quoi en lui. Vaut mieux que Dieu interrompe pour lui, stop, ce que tu fais là n'est pas de moi. Voilà. Donc l'enfant, il a continué de manger. Et pourquoi c'est maintenant où l'envoyez ici? Le problème, même le grand frère qui m'a dit qu'il y a quelque chose. Ouais, hein, sans désir. Voilà. Ah, toi, t'as encore du bois, tu connais pas? J'étais déjà, je me suis inscrit. Tu dis à quelqu'un qui t'a dit. Ouais, d'abord, avant de venir ici. Maintenant, dans ces. J'ai eu l'information depuis quand? Ouais, c'est important qu'on sache. Depuis novembre passé. Ok. Parce que les gens sont arrivés ici. Oui, en novembre, je t'ai suivi. Ouais, c'est au moment où tu devais partir. Là. C'est là que j'étais venu. Non, moi, en novembre, j'étais aux États-Unis. C'est que ça devait. Oui, c'est en septembre je suis parti. C'est que c'est en août. En septembre, je suis parti, j'étais en août. Je suis arrivé ici en août. Mais vous ne m'avez pas trouvé. Si vous étiez là, vous n'avez pas eu le temps. Ah, je vous recevoir, ouais. Vous avez venu lire sur moi et puis vous êtes parti. Ok. Maintenant, le grand frère qui m'a montré ici, il m'a lu les mots. Il m'a pas vu même. Moi, celui qui m'a dit que
La grand-mère a touché mon pouls, mais dans cette journée, elle ne le retrouve pas. Donc, il a monté la vidéo sur le net, on cousait à lui, puis il est dans l'hôpital. Il va pour travailler. Bon, ce qui est sûr, je vais récupérer mon fils qui est là. Il nous a dit qu'il est sorcier. Je vais l'amener chez le prophète. Comment ça s'est passé? Ça va, toi? Ça touche dans ton jeune. Il a vu qu'elle venait ici. Hein? Ça, je ne vous ai pas dit. Vous êtes comme ça, je suis. Conscience, elle est venue s'asseoir, elle était dans les chaînes, à tête d'une folie. Bon, elle a commencé, Dieu l'a guéri. Gloire à Dieu. Nous, on est habitués à ça, pour nous, c'est un jeu ici. Au fur et à mesure, sa conscience va revenir parce que c'est parti très loin dans la sorcellerie. Son âme n'était plus là, c'était très loin. Et Dieu a ramené. C'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller, appelle, voilà. C'est comme ça, comme on est habitué, c'est un processus. Au fur et à mesure, elle va commencer à se... Nous, on a des 20 ans de folie qui ont été miraculeusement guéris. Ceux qui m'ont fait leur caca, tout ça. Oui, la folie, c'est la plus dangereuse des maladies. Tu es sorcière. Oui. Tu es quitté hier, tu es venu ici chez moi. Toi, tu es sorcière, tu viens à la brigade comme ça. Mais c'est vrai. C'est comme un bandit, gangster de grand chemin qui va saluer les policiers. Oh, il est recherché. On va le prendre. On est brigade de recherche. Et toi, tu vas à la brigade de recherche comme ça. On te prend maintenant. C'est ton chercheur de cul. Duli, il ne faut pas me regarder les yeux des hostileries. Je vais te faire vomir dans ton sang. Pour lui dire ça, il faut que son cœur vrève dans sa rêve et sinon, si elle veut détourner son cœur, elle va fondre ici. Vous lui dire ça? Non. Parce qu'elle a pris sa position, elle a pris pour me magataper. Il fait ma même jambe. Il a parlé français, il paraît. Voilà. Oui, souvent on parle français, on se comprend. Magataper, ça tu dis, bon, le prophète à terre. Non. Il me dans pour terre, toi-même tu as saigné tout de suite. Il faut aller doucement. Hein? J'ai dit, elle est quittée là-bas, elle est venue à la brigade. Pendant ce temps, elle est sorcière. Moi, je t'ai envie de parler, puis j'ai vu mon détecteur la pris dans la salle. Ici, là, comme tu es sorcier, va être ta place. Non, non, tu es sorcier à l'église. Oui, elle a galé doucement. Elle a galé doucement. Comment dire doucement, gros? Édoflé. C'est bien dit, mais flé, là, il dit que ne pas mettre l'eau glacée là-dessus. Ses coups sont enfin. Pourquoi les sorcières, elles viennent à la brigade, au lieu de déclarer sa sorcellerie, elles viennent s'asseoir dans l'assemblée comme tout le monde? Irena, mais je vais vous dire, dans les affaires, je vais vous dire, Berna, il vous vient à la mine. Irena, elle dit quoi? Elle dit. Quand elle est venue, elle qu'elle est sortie, elle voulait s'asseoir là-bas. Ah, elle qu'elle est venue, elle voulait s'asseoir là-bas. Et puis qui a refusé? Elle me dit que c'est son mari, j'ai dit son mari, mais elle est venue ici. Bon. Vous laissez un musulman. Oui, je vais dire, oui, un musulman là. C'est quand on veut là. Ce n'est pas un musulman. Tu as compris? Voilà, ce n'est plus un musulman. Tu es sorcier? Je le vis dans. Allez, oui. Tu es sorcier? Faut dire oui qu'on a un. Oui. Voilà. Qui t'a donné? Le dernier. Le dernier, en Paris, en Tine, en Tine, en Tine, en Anti, ça dit père. Le frère de son papa, ouais. Anti, c'est sa femme. Elle est ici. Il t'a donné son céleri. Comment? Il y a quelqu'un qui a donné le même. Ah, parce que tu connais la personne qui t'a initié. Donc, comment elle t'a donné ça? Il y a tu as su que c'est elle. Mais elle a créé le lui. Et sur la fonte, il y a papa. D'accord. Elle a créé. Eh, il faut parler. Tu vois, sinon, je te mets là. C'est la semaine prochaine, je te prends. Ah si, il n'y a pas le temps, il fait croisade.
Pendant que je te parle, il faut parler en même temps de délivrer. Sinon, tu ne parles pas, tu retournes. Oui. Allez-y. Kambouaro. Foutou. Il a foutu à la main. Foutou. Quoi? Il n'est pas fatigué. Hein? Foutou simple. Je veux faire plat. Foutou comme ça. Wika. Mais toi, faire Wicho, c'est la Wika. Il n'y a pas un peu d'agouti dedans. Wika, allez va. Tout le travail en compagnie, ça aboutit. Abouti. Vient de l'homme. Vient de l'homme, j'en ai dit. C'est foutu, il vient de l'homme. Eh, il faut parler. C'est le seul endroit où tu peux, on peut te prendre ton temps. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps même d'écouter les osiers. Mais ce n'est pas leur ministère. Quand tu es sorcier, on dit Or, nous, quand tu es sorcier, ça nous interpelle. On veut même te prendre rapidement parce qu'on sait ce que tu comme des gars. Or, si tu arrives ici, que tu ne parles pas aussi, que tu veux jouer, tu vas mourir. On met l'huile sur toi, que tu vas mourir. Parce qu'un sorcier, c'est un criminel. Il y a trop de bruit là-bas. Laisse le micro. L'homme qui l'a transformé en Bouti, est-ce que je suis censé m'en abouti? Je te demande, moi je sais ce que tu as fait. Hein? Mais c'est bien de l'homme manger. Vous mangez bien de quoi? C'est ça la différence, nous et vous. Vous mangez deux fois. Pour nous ici, là, on mange. Sauf graines, bien, bon pour tout. Et puis là-haut, maintenant, il y a Chioko là-bas. Vous pouvez manger Chioko. Là, c'est une sauce de l'ouïe. Là, c'est vite. Donc, quand elle a donné la sorcellerie, elle est devenue sorcière. Et puis toi, tu es là, tu viens à la sorcellerie. Eh! Comment tu peux vivre avec quelque chose qui est dangereux? Est-ce que vous savez que les gens ne savent pas que quand on a la sorcellerie, on est dangereux? On peut renverser un cas. On peut tuer, on peut prendre la chance. Et là, quand vous marchez, ils savent qui est la chance. Ils voient votre étoile sur le visage, puis ils viennent noisir ça. Gougnir les princes, ils viennent, c'est quoi? Et oui. Les dégâts qu'ils font dans la rue, c'est terrible. Maintenant, les babes, non, c'est pas, elle n'est pas des mêmes familles. Ils voient ta chair, ils cassent. Qui s'en va? Il a tiré par ça. Eux ont un esprit mauvais. C'est-à-dire, c'est gâter les gens. C'est pour ça qu'il faut les interpeller quand tu les vois pour les prendre. Moi, si c'est pour ça, vous gâtez mon nom, je suis prêt. Sinon, les sorciers, je ne suis pas prêt pour eux. Non. Un sorcier, la nuit, chaque nuit, il va manger. Il ne mange pas poisson à la braise. C'est l'homme, il va manger. Donc quand il mange là, il endeuille les familles. Chaque jour, ça tue. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, l'enfant de Satan. Parce que la sorcellerie existe. Ça existe dans toutes les langues de la planète Terre. Ça existe. Maintenant, comment fonctionne la sorcellerie? Quand tu as un esprit mauvais et tu gâtes. Quand on est sorcier dans une famille, on gâte. On n'apporte jamais des bonnes choses, on apporte des vilaines choses dans la famille. Le malheur. Vous allez pouvoir. Votre camarade fabrique Air France, Corsair, Air Bruxelles. Ça dépend Air Zonou là. Comment on appelle au village? Air Boifle. Non, le village? Tofla. Ah, Air Tofla. Air Tofla, c'est petit balai, t'assois là-dessus. Mais 15 minutes, t'es parti. Air Tofla. Air Tofla, avec 15 minutes. Nous, Air France, on est assis. Zone de turbulence, on prie seulement le Seigneur. N'a qu'à pas descendre. Oh, c'est 15 minutes, vous arrivez sur Paris. Vous avez toutes ces connaissances. Air Tofla. Oui? Ah, il y a Air Tofla. Air Tofla. Oui, comment tu fais? Oui, dans Kaga. Tu es fâché? Tu es fâché? Je veux conduire, ne faut pas mettre ta tête. Tu es fâché? Tu es fâché? Voilà. Mais
Tu te transformes en hibou. Puis tu fais quoi? Oui, mais bien. Dieu t'a créé homme, ça te plaît pas. C'est l'oiseau là qui est bon. Elle s'envole, elle est tuée. Elle s'envole comment? Elle fait comment? Mais si elle va. Non, comment elle fait pour se transformer dans l'oiseau? Elle fait comment pour se transformer en l'oiseau? Sinon, on attend. Elle fait comment pour se transformer en oiseau, ça te dit? Le bécraka, il crée un coup de l'œil, il crée un miennot bien. Ah, vous voyez, il faut un. Il y a un moyen. 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 Il faut traduire. Elle dit quoi pour se transformer? Elle dit, elle a le BCP qui peut venir descendre. Non, non. Elle dit, elle se transforme en hibou. Elle veut couper le canal. Mais quand elle a dit craint, elle dit tout. Elle veut couper. Tu vois, elle va vous le faire. Le monsieur là, qui il est? Le monsieur là, qui il est pour elle? Son mari. Tu sais qu'elle fait l'amour avec toi? Il dit, hum. C'est toi qui es femme ou les garçons. Voilà. C'est pas ça? Demande-lui. Faut pas te avec lui. Il doit vivre. Mais oui, vous. Il est là. Là, hey. Israël, ben là. Lui là, c'est qui? Son mari. Pourquoi tu fais l'amour à lui? Il m'a demandé du cas. Qui tu as là? Il y en a. Tu fais l'amour à lui? Pourquoi? En cas de guitare, dans la crabouille, il y a un diable. En cas de guitare. Tu es le café. Et quand on m'a cas de guitare. Elle dit quoi? Elle dit, elle sait pas ça. Ah, tu sais pas? C'est faux. Attends, c'est faux. Demande-lui, demande-lui. C'est faux. Attends. Donc tu veux jouer moi ou pas? Non, laisse ça. Attends. Attends. Tu veux délivrer ou bien... Mais faut pas. Tu es quitté à Tofla. Là. Qui savait qu'il était sorcier? Qui savait ça? Monsieur, tu savais qu'elle était sorcière? Non. Alors... Qui l'a pris hier, sorcier? Qui? Qui a pris ça? C'est vous-même. Ok, ça vous dit que je te connais. Je sais ce que tu fais. Faut aller doucement. Je prends une la bessie, où est la patrie? Ou bien? Ah. Un bon choix. Tu fais quoi, monsieur, là? Il veut que la balle est gaga. En gras, il y a un diable. Laisse-le, ton garçon. Mais pourquoi tu es gêné? Il doit payer. Va le chercher, va le chercher. Tout à l'heure, nous parlons. Va le chercher. Il vous l'a. Allez, va le chercher. Mais où va là? Toi, tes femmes, t'as qui? Toi, t'es là aussi, tu dois payer une femme. Nous, tu caresses comme ça. Parce que tu as une femme. Oh, c'est pas nous, tes femmes. Il est avec qui? Avec une date amie. C'est sa femme. C'est la femme. Donc, elle fait quoi, lui? C'est sa femme, elle peut préparer, elle peut préparer, elle peut préparer, mais qu'est-ce qu'elle fait, lui? Elle femme prépare. Elle fait quoi, lui, pour toutes ses femmes? Madame, il faut parler, il y a trop de sorciers, il doit délivrer. Il y a une. Il y a une. Il y a une. Elle est. Ouais. Lui, là, comme tu dis, sa femme, non, tu as raison, c'est pas vrai. Monsieur, tu es venu, elle, maintenant. Attends, tu as cherché, tu as trouvé. Je vais chercher femme, tu vas aller trouver pour toi. Tu dors, c'est toi qui dois la toucher comme ça, chérie, c'est elle qui fait. Madame, comment tu fais quand il dort? Tu fais comment? Il dit, il pose des questions. Je suis un expert en posant des questions. Il faut qu'elle nous explique les petits détails. Si tu es fâché, faut lever ta main là. Elle dit quoi? Si il dort, elle dort la réveiller.
Nous rebelles, c'est. Et puis elle fait quoi? Et nous ne pouvons pas là. Bon, rebelle-toi, puis maintenant tu fais quoi? Elle est bouchée. Hein? Comment un homme couche une femme là? Comment ça fait elle? Voilà. Donc demande-lui. Il est belle, il est belle, il est belle, il est belle. Ça va aller. Va prier pour elle. Va prier pour elle. Va prier. C'est comme ça que tu fais. Tu les fais endormir. Et puis tu les transformes en femme, c'est ça? Il peut vous dire que non, la vie en tout cas. Tu te demandes. Adam. Hey. Tu es fâché ou pas? Hein? Il y a des demandes. Tu es fâché? Il faut chasser l'esprit de mort sur cette femme-là. Voilà, attaquer l'esprit de mort. Oui? Tu es fâché? Tu fais quoi? Il faut enlever ta main là. Kiki là, c'est vaincu. Le feu sur ça. Le feu. Là, c'est une garçon. Pas de femme. Dans la journée, elle ne peut pas foutre tout. La nuit, là, tu deviens femme. C'est ça, non? Non, faut pas me faire ta tête comme ça. Non, non, non. Je préfère lui ou non dans la bouche. Je vais pas l'aider. Et tu as fait quoi encore sur lui? Il m'a fait le col les yeux. Elle est têtue, non? Hé, hey, toujours les têtues. Vous le dites, toujours les têtues. Moi, toi, ça me dirait, mais celui qui t'a gâté là, c'est lui, je vais délivrer. Sinon, toi, t'es sorcier, si je vais verser lui, tu sois, je vais verser lui, toi, tu vas. Si on fait petit tour là, combien de mètres? Elle a fait quoi pour le rendre malade? Pour ça, quand vous voulez marier une femme, bien choisie. Sinon, demain. Ah! Maintenant, tu dois brûler. Tu as quitté le quartier. Ça va, tu es délivré maintenant. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, là, tous les sorciers sont dans ma église. Tu ne vois pas clair, tu es pasteur. Tu prêches seulement. Non. Quelqu'un est sorcier, dites-lui qu'il est sorcier. Ne cachez pas ça. Vous le prenez, vous le délivrez. Ah non, s'il parle, ça va créer. Moi, je m'en fous de ce que ça va créer. Si je meurs dans vos familles, je dis les sorciers. Ça n'a que le scandale, je m'en fous. Voilà. C'est un don qui se manifeste. Quand un sorcier, il faut dire qu'il est sorcier. Si tu le laisses, il va vous détruire. Attends, stop. J'ai dit ça dans un village. En gros, Guida, stop. La fille d'un prédicateur. J'ai dit un sorcier, il se plaint. Quel nom? Lui prie, sa fille pas être sorcier. Je dis, mais toi, tu es prophète. Je respecte ta prédication, mais tu n'es pas prophète. Il dit, non, sa fille pas être sorcier. Donc, il prend sa fille. Il part avec elle. C'est que sa fille l'a montré. 3 ans après, elle le fait terrasser. Une maladie très grave, cancer, couché. La fille dit, c'est elle qui en a le Dieu. C'est là. On se rappelle du prophète Crasso. On m'appelle pour m'envoyer l'information. J'ai dit, moi. Elle n'a qu'à le manger. Il est mort. Toi, tu es prophète. Non, elle ne peut pas être sorcier. Moi, je suis un homme de Dieu. On n'est pas la même chose. Hein? Non. Toi, tu es prédicateur et moi, prophète. On n'est pas la même chose.
Je respecte ta prédication, mais tu ne vois pas. Tu peux mettre un enfant au monde, tu ne connais pas l'enfant. L'enfant peut sortir de la maison, une semaine après, on peut lui donner la sorcellerie. Même aujourd'hui, mais ça se distribue à l'école, tout ça. Donc quand quelqu'un dit, quelqu'un est sorcier, là, ce n'est pas un juge. Il entend ouvrir ton esprit pour dire, celui avec qui tu marches, là, va te manger demain. C'est ce que ça veut dire. Donc on le fait délivrer, ah non, toi ta prière du village, ça ne peut pas être un sorcier. La fille a bien mangé le gars sauce claire. A checké des grands la grand là-haut là, avec Kama, elle a bien mangé le gars. Elle a maigri comme ça. Elle a mangé le gars, elle est partie. Quand on donne des révélations, on est homme de Dieu, mais on n'a pas la même dimension. Chacun dans son domaine. Donc si le prophète dit ta fille est sorcière, il faut chercher. Il faut être, parce qu'en matière de sorcellerie, il faut être neutre. Il ne faut jamais prendre position. Alors, il ne faut jamais prendre position. Parce que même ta femme, elle, voici un monsieur comme ça, il a marié une femme, il ne sait pas qui il est. Oh, il dort, la femme le gère. Elle finit par préparer pour tout. Le soir, elle, lui devient femme, et bien elle est un garçon. Amen. Amen. Vous-même, à Tofla, là, habitez-moi, vous avez quel problème? Mais quand? Ils n'ont pas fini de manger les gens là-bas. Roger est là. Il y en a. Et si on l'a délivré? Un grand sorcier. On l'a délivré ici. Et la femme qui t'a mis dans Ravin, là, j'étais là. Elle est là aussi. Il y a trop de camps là-bas. Il y a 6 groupes de sorcellerie là-bas. Ah ben, moi, je les prends un à un, devant vous tous. Et puis, on va finir cette histoire. C'est fini. Chacun son don. Moi, il rentre dans le village, si ton chef a signé tout de suite là. Quand il rentre, on finit de faire la réunion technique, il attrape. Tout de suite. Donc tu as fait quoi? Tu as donné quoi maladie? Comment? Le diable nous le caga. Moi, les enfants du diable même pas. Les sorciers, on les mate. Faut pas m'aimer. Moi, je suis pas prêt pour sorcier. Ta maman est dedans, elle attrape. Elle boit son sang, elle a mis une grenouille dans son corps. Donc grenouille, il y a une grenouille dans son corps. C'est une grenouille qui se balade dans son corps. Grenouille. Faut enlever ta main où il y a ton puits de sorcellerie. Le monsieur entend le délivrer. On appelle délivrer le monsieur. Ah donc c'est moi qui dois parler. C'est plus confession. S'il n'y a pas, c'est plus confession. Bon, si tu n'as pas envie de parler, il faut quitter. Va à tout là. Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, moi, elle a parlé. Tu as tué combien de personnes? Tu es malade ou bien? Tu n'es pas 5, c'est 7 personnes. Tu es malade, toi tu as tué 7 personnes. Quelle est la dernière personne que tu as tuée? On a la brigade d'un don, souvent j'ai un sens, c'est un peu chouchou. C'est le pasteur qui est doux. Jésus revient bientôt. C'est pasteur. Non, on n'est pas Richard. Eux, la foi est due. Moi, je ne suis pas là pour présenter ça. Non, c'est un pasteur qui vient. Non, levez-vous un peu le Seigneur. Jésus revient bientôt. Tout ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Moi, je suis là pour les sorciers. Le petit frère à son papa. Tu as tué qui récemment? Comment il s'appelle? Pourquoi Neve il était toujours ici? Il s'appelle Zamblé. Zamblé. Zamblé était magnifique. Zamblé, comment tu l'as tué? Le caca a évité. Il n'a rien fait. Elle s'envole à tout Flacy pour aller le tuer là-bas. Où? Il était où? Il était dans l'autre ville maternelle à Zangoufla. Hein? Zangoufla. Quand tu t'es levé, tu allais le manger là-bas. Voilà. Comment tu as fait? Le caca. Il est s'envoler.
Je suis allé. Tu t'es envolé et puis tu es allé où ça? C'est mon frère, je l'ai ma femme. Tu as envolé pour aller là-bas? Et il dormait. Je te demande ou bien? Et il dormait vraiment plus. Et puis comment tu l'as attrapé? Comment tu fais? Elle a attrapé son pied. Comment? Comment tu as fait? Elle a tiré son pied. Tiré son. Après, elle a pris comme épervier prend au sein. Puis tu es parti à lui. Et quand arrivé là-bas, tu l'as égorgé. Tu l'as transformé. Le crème est fait, regarde. Oui, car. En quoi? Agouti. Agouti, puis tu l'as mangé. Toi, ta main est partie. Il a car bien pris. En pied. C'est moi qui ai joué. Une sorcière comme toi ne mange pas pied. C'est la tête, puis le cœur. Après, à Bilbo, il est mort. Et il est mort. Et c'est qu'elle a mangé. Quoi? La tête et puis. Tu as vu, elle ne veut pas parler. Elle va parler. C'est dangereux. Donne-moi ton poids, tes rutons, tes chers. Tu parles dans le lit. Seigneur, tu dis, oh, la femme est tes chers. C'est quand maman d'Aïssa, là. Tu vas même. Souvent, prenez-lui la verset chez vous, hein, c'est important. Merci chez vous, là, s'il y a sorcier, ça les prend un peu. Madame. Il n'y a qu'à parler à ta place. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut parler. Si elle ne veut pas partir parler, parce qu'on ne force pas quelqu'un ici, on a calé à tout là. Irena, il avait oublié, il dit qu'il fait là. Il prend, elle fait un beau café là. Non, dis. Parce que de toute façon, t'es en train de parler là. C'est comme si on te force. Demande-lui, elle est sorcière ou pas? Elle dit quoi? Mais quel sorcier vous parlez de délivrer ou bien? Qui est la sorcellerie? Si tu ne parles pas, tu appartiens. Oui, il faut parler. Elle dit quoi? Elle va parler. Elle va parler comment? Le monsieur là, comment elle a fait? Elle a tué Zamblé. Elle a mangé Zamblé. Tu as bien mangé. C'était doux. Il dit bouche, il faut parler. Pas faire ta tête comme ça. Ah oui, tu. Et d'où Zambé là, tu l'as pas bien quoi. D'où est Zaka Yambé, Kabili. Sosgren est quoi? Oui, mais faut gagner. Et tu as tué qui encore? Là, lui, dit Jazim. Madame, si tu ne veux pas parler, faut partir. Oui, moi je commence par récent. La dernière personne qu'on va évoluer. Mais là, et avant même Manuel. Elle fait comment pour empoisonner les gens? Parce qu'elle empoisonne les gens. Elle fait comment pour les empoisonner? Oui, elle a ça. Tu fais comment? Il y a les gens comme ça, vous voulez qu'on les laisse. Oui, je sais pas pourquoi. Les gens, vous voyez, les gens comme ça, encore les laisser. Elle a dit quoi? Elle dit quoi?
Elle dit, elle n'était pas bien là-bas. Elle est pas là-bas. Stop, j'ai dit. Tu empoisonnes ces caca-là. Tu chies dans les mangers des gens, tu les empoisonnes. Je vais parler ça dans des ans. Pour me distraire. Tu as des choses bizarres sur toi pour parler. C'est pas ça? Tu dis ah. Bah, va t'asseoir. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir. Allez, va t'asseoir. Donc, moi, il n'y a qu'à parler. Et puis, elle va dire oui. Je parle de lui. Je parle de lui. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, si tu ne veux pas parler, va à Tofari. Va à Tofari. Va, ton frère, allez, va. Va, va, va là-bas. Et allez. C'est tellement simple, tu parles, on te délivre. Tu as même dit sorcellerie, on t'a donné. Tu n'as pas lâché. Alors, tu n'as pas lâché la sorcellerie, on t'a donné. Ok, non, te comprends, t'a donné. Ça t'a poussé à faire des dégâts. Mais confesse, on va te délivrer. Tu rentres ici, tu rentres ici, tu veux me distraire. Moi, quand parler, t'as dit oui, oui. Après, demain, t'as dit non, c'est ce qu'il a dit, il a dit oui, c'est pas moi. Est-ce que moi, je vous connais pas? Bien fait. Ça, c'est pas bon. Je vais parler. Ouais, parle maintenant. Le poisson, il est arrivé, c'est ce sera que vous voulez manger là. Priez, mais pas ça. Elle est principale. Elle va dans son village. Vous priez le Seigneur sur le repas. Vous faites comme ça. Comme ça. Elle, c'est pas prière. Sanctifie. Tout est sanctifié par la prière. Elle est pressée. Moi, je ne fais pas confiance aux gens à 100%. Moi, non, 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 non. Ne fais pas confiance aux gens à 100%. C'est vrai que la personne qui a préparé, mais traverser la cuisine jusqu'à chez toi, il peut y avoir des choses. Non, quand vous priez là, ça neutralise tout. C'est pour ça que ne jouez pas la prière. Le jour où vous négligez la prière, vous donnez la place au diable d'agir dans votre vie. L'arme du chrétien, c'est la prière. Oui, Dieu nous a tout donné. Ce n'est pas à lui de venir nous défendre. Nous avons une arme qui est la prière pour nous défendre. Généralement, c'est quand les choses sont difficiles qu'on cherche maintenant à prier. C'est dangereux. Chacun a son goût. Ah. Faut parler. Elle dit, elle va à ça dans son village là-bas. Elle est là. À ton frère là, quoi? Elle est ton frère là, mais elle me crée bien. Bon, on m'a dit, viens. La vie là, elle me fait. Tu es sorti. Ton frère. Oui, tu es sorti. Voilà, il faut parler. Depuis l'âge tout petit, ma grand-mère m'a initié. Mm-hmm. Comment elle a fait l'initiation? Donc ça, c'est important. Le premier contact à la sorcellerie, comment ça s'est passé? Tant que petit, j'aimais beaucoup manger. Mm-hmm. Elle était avec sa belle-sœur. Isabelle, la femme de son petit frère, mm-hmm. a préparé un midi. Je suis à l'école, mm-hmm. tout fin. Et puis, elle m'a donné la nourriture, du riz, mm-hmm. avec la viande de rat. Le rat, ok. Et ça s'arrachit. Ok. Et ensuite, quand j'ai mangé, la nuit, à la nuit. Ah, elle est en train de compter. Dans la nuit, j'ai vu des hommes venir me chercher. Mais toi, c'est d'un côté. Combien? Tout dénonce tout. N'est-ce pas un? J'ai vu des hommes venir me chercher à partir dans leur zone. Mm-hmm. Monsieur, allez vous asseoir. Yako. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont initié encore en me proposant de l'eau, mm-hmm. et la chair. Et si je mange ça, mm-hmm. je serai plus fort. Okay. J'ai demandé, mais ça veut dire quoi? Mais normalement, il s'en sort. Mm-hmm. Il faut boire. Okay. Tant que petit encore, j'ai pris. Et j'ai mangé. Donc, cela encore a fait que. Ils m'ont envoyé, mm-hmm. en me blaguant. Ma grand-mère, parce que les grandes-mères, elles aiment toujours les petits-fils en les blaguant.
En me parlant, il y avait un petit frère sur... Avant, c'est qu'elle a été top. Oui. Mais regarde, c'est comme ça. Le troisième, qui est de mon petit frère, et lui aussi, il allait initier aussi. Ah, tu as initié aussi? Oui, mon petit frère. Donc, il t'a donné aux gens aussi. À mon petit frère. Il est où? Lui, il est décédé. Ah, c'est lui, tu veux dire? Oui, c'est là, lui et moi, plus eux, nous avons envoyé notre, notre papa. Qui est la présidente. Et ils ont dit non, on n'a qu'à essayer de tout faire pour le tuer. Venez, monsieur. Et on a lancé une attaque sur sa bouche. Sa bouche était très enflée, gravement enflée. Là, c'est quelle attaque vous avez lancée? On a lancé un sort. Donc quel est le sort? Le sort, c'est une boule. Ouais. C'est une boule qu'on a prise et on a lancé. On doit être ton petit frère. T'as vu comment c'est. Oui, allons-y. Oui, ça va aller. Du courage. Donc, vous avez lancé la boule. Oui. Mm-hmm. Donc, merci. J'étais gravement malade. Le papa est tombé malade. Gravement. Vous êtes tombé gravement malade. Vous lancez un sort ici. Elle a sur la bouche. Oui. C'est arrivé ici. Là. Ah, la bouche est tombée jusqu'à ici. Oui, c'est arrivé là. Et vous n'avez pas les photos de ça? Mmh. Ah, moi je voulais les photos. C'est tombé là. Ça c'est important pour nous. Les photos sont restées à Abidjan? Non, on n'a pas pris les photos. Ah, vous n'avez pas pris les photos? Ça, ils ne pouvaient pas manger. Ah non, c'est important, c'est ton témoignage. Ah oui. La preuve c'est que ça te rattrape. Ton histoire revient encore. C'est ce que tu regardes et tu glorifies le nom du Seigneur. Bon, bref, c'est passé. On continue. Et après ça, et la mais qui a lancé la boule? C'est moi qui ai lancé la boule. Mmh. C'est ma grand-mère qui m'a forcé à le faire. Mmh. Et donc c'est dans le but de le tuer. Oui, de lui le tuer. Et quand ça a touché sa bouche. Et quand ça a touché ta bouche, ouais. C'est enflé. C'est enflé. Et lui, là, après ça, physiquement, il a senti quelque chose. Au niveau des lèvres. Au milieu de lui, il a gratté. Ah. Il a gratté. Oh, c'est la boule en là. Fonction, en grattant, c'est le fait qu'il évolue. Ok. Le fait qu'il évolue. Le fait qu'il évolue. Ok. Donc, mon petit frère étant là-bas a dit non, c'est le vieux. Ne faisons pas ça au vieux. Le quoi? Ne faisons pas ça au vieux. Ah, il a dit, il ne faut pas tuer le papa. Ne faisons pas ça au vieux. Donc, il luttait. Il luttait pour lui. Il luttait pour lui. Maintenant, toi, tu disais quoi? Et moi, tu voulais le manger. La grand-mère me manipulait. Il dit non. Faut qu'on le mange. Bien sûr, on va voir ce qu'il a dit. Mais toi, tu voulais qu'on le mange. Non. Parce qu'elle m'a manipulé. Bon, la bon, manipulation, là, il y a à manger aussi. Oui, tu voulais qu'on le mange. Tu voulais qu'on le mange. Le détruit. Voilà. Non, manger. Bon, manger. Ah, bah, quand tu le tues, tu le manges. Ça aussi, je n'ai pas viande. Moi, je parle le langage, je parle votre langage. Détruit, là, ça, c'est rien. Manger. Oui. Tu voulais le manger. Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et là, une nuit, on a bruit. C'est pour ça que priez pour vos enfants. Ouais. Quand vous avez des enfants, priez pour eux. Ah non, mon enfant ne peut pas devenir sorcier. Même toi. C'est la grâce de Dieu. Le sorcier veut t'initier, va t'initier. Toi, tu es qui pour résister? Si ce n'est pas la protection de Dieu. C'est pour ça que nous, quand quelqu'un est sorcier, bon, on ne se moque pas de lui. Ça a été un mauvais sort qui est rentré dans sa vie. Donc il faut l'aider. Nous sommes en train de les aider. Si on entend maman, on ne les méprise pas. C'est la méthode qui peut l'enlever de la sorcellerie. Il faut qu'il fasse des aveux publics. Et ça, nous sommes aujourd'hui à plus de 8000 sorciers délivrés de nos mains, avec la même méthode. On y va. Et là, on a réussi une nuit pour cacher. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Il y a 2005, 2006. Oui, donc ça a dit l'attaque. Ça fait maintenant plus de 10 ans. C'est en 2004 que j'ai reçu. Non, ça dit que ça fait plus de 10 ans. Oui, oui. C'est pas une histoire. Non, pour cacher. Parce qu'il ne voulait pas que sa maman même voie sa cachette. Parce que ton père se cachait. On voulait le prendre. Sa maman, sa femme, qui assise là, voulait le prendre pour l'envoyer. Elle met son visage le soigne. Sans le cacher. Voilà. Au vu de sa propre maman. Elle est ma grand-mère. Donc une nuit. On était assis et puis ils l'ont emporté, ils sont partis avec lui au village de sa femme. Mmh. Voilà.
à Soro et tout. J'étais assis. Et elle m'a demandé, dès que je suis arrivé du lendemain, elle m'a demandé, mais ton papa dit, moi, je ne sais pas où mon père. Je ne sais pas, qui, tu sais pas où mon père. Moi, en tout cas, moi, je sais pas. Physiquement, je dis que moi, je ne sais pas où mon père. Elle lui dit, non, je ne sais pas où je suis parti. Donc là, la nuit est encore tombée. Mon bon petit frère encore, personnel. Ton avant encore. Ah, tu dis personnel, ok. Personnel. À lutter, toujours en train de lutter. Ah, il demandait non, laissez-le. Il luttait. Ne mangez pas le monsieur. Voilà. C'est notre papa. Je ne peux pas me dire dans celui qui a lutté pour vivre. Et puis maintenant, ouais. Comment il est mort? C'était, on partait faire une autre attaque encore. Voilà. On allait faire une autre attaque. Et c'est dans notre avion. Voilà, qu'il a eu une embuscade, il est tombé du très haut. Et son pied a. Il est mal descendu sur le pied. Quand il est mal, il a mal atterri son pied a été cassé. Il y a eu quelle embuscade? Qui a vous attaqué là-bas? C'est dans les bruyères. Les bruyères, non? Les bruyères. Ah, vous avez entendu? Le semon du feu, le semon du feu. Qui a touché. Vous avez entendu? Vous rentrez dans la maison, Seigneur, tu es mais. Il s'est tombé. Il est mal tombé. Je vais témoigner sur graine. Dans le feu, c'est ça? Oui. Et le gars est tombé. Il est tombé. Tu tombes tombé, mais il va tomber. Voilà que toi tu tombes. Le pauvre qui négociait, quand libère son papa, lui il meurt. Oh, le chef bandit ne met là. Donc il est tombé, c'est ça? Ouais, quand il est tombé, il est mal tombé. Il a son pied, c'est la cuisse, l'os de sa cuisse. C'est cassé? Oui, c'est enflé. Ah, c'est comme ça s'est passé physiquement après? Oui. Vous avez vu le « qui s'envole? Il y a une sorte de turbulence, c'est encore le feu. Bah. Et il est mort, c'est ça? Oui, il est mort. Et dans un mourant même, il n'était pas encore totalement mort. Et ils m'ont envoyé d'aller l'achever. C'est mon oncle qui m'envoie partir l'achever. Et je suis allé l'achever. Ok. Comment tu l'as achevé? Tu as fait comment pour le tuer? C'est seulement, c'est parti. C'est l'égorgé. Tu l'as égorgé. C'est quel homme ça? C'est Jules. Et Jules qui m'a envoyé. Et Jules, il est où? Il est au village. C'est où, quel village? Et ici, à Mouba. Il n'y a pas le même problème à ramener ici. Non, nous, même vous m'envoyez là-bas. Non, moi-même, il y a un village. C'est vrai que tu peux le faire venir, mais moi-même, envoie-moi là-bas. J'ai mieux les prendre que toi. Moi-même là, pour m'envoyer, si à Canary, on va prendre, si y a Cardinal, on va. C'est comme ça, quand tu m'envoies dans un village, je repère. S'il y a des gens qui sont dans l'arbre, s'il y a des gens qu'on a enterrés, s'il y a des chances qu'on a enterrés. Parce que s'il y a 3-4 confléries, chaque confléries confie la destinée de sa famille à une autre confléries. On dit, toi, la famille, tant, notre famille là, on vous donne l'enfantement et leur mariage, gardez ça. Oui, donc non, chacun a son secret. C'est pour ça que personne ne peut dénoncer son camarade. Ah oui, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur la sorcellerie. C'est un monde et c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut se révolter contre la sorcellerie. Non, pourquoi on parle des sorciers? Mais on parle parce qu'ils sont nuisibles. Ils détruisent la vie des gens. Oui, tu as fait quoi encore? Et après ça, à ma pauvre mère. Tu as combien? Bon, personnellement, moi, ce qui est tué, 17. 17 personnes. Voilà. Comment tu fais pour tuer les gens? Bon, quand j'arrive sur les lieux, je me transforme en kafa. En kafa, ok. On va sous la porte. Ah, tu te transformes en kafa? Oui, oui. Tu cliques sur la porte? Et puis, en arrivant là-bas. Quand tu arrives? Voilà, tu essaies de maintenir leur âme. Tu maintiens, comment on maintient l'âme? Il y a un langage spirituel. Oui, on me reconnaître. C'est le langage spirituel. Prononce ainsi mon Dieu, voici tu peux maintenir mon âme. La Bible dit de prouver la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément dans les dîmes. Mettez-moi les brumes. Ce n'est pas forcément dans les dîmes. Hein? Ne tâte pas Dieu. Je vais tester sa parole. Sinon, ce n'est pas une tentation. Je teste la parole de Dieu. Lui et moi, c'est une confrontation. Là où se trouve le pouvoir, on regarde. Si c'est chez Dieu, on le suit. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Et là,
Finissons de faire ça quand l'homme sort. Non, comment l'homme sort? Je veux savoir, le mécanisme, comment l'âme sort? L'âme. En dormant, si on connaît ton nom, si Dieu connaît ton nom, on t'appelle dans la nuit. On t'appelle dans la nuit. Mm-hmm. On t'appelle dans la nuit. Mm-hmm. Tu te réveilles. En te réveillant, tu es groupé. C'est-à-dire, tu as une forme comme ça. Tu sors de toi-même. Quelque chose sort. Oui, tu es toi-même. C'est-à-dire, ton âme sort. Et toi, tu es couché, ton âme sort. Et l'âme, là, c'est comment? L'âme, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Ouais, l'ombre. C'est l'ombre là qu'on attrape. Vous attrapez ça? Oui, oui. Et vous faites croire ça? Quand on arrive là-bas, on transforme ça maintenant. Ah, vous transformez ça? On fait une transformation de poulet ou de mouton. Bon, tu connais karaté? Ton cœur, doucement. Moi, tu ne peux pas me manger. Tu ne peux pas. Hein? Oui, la fin, voit bien, elle va se chouer à cadeau. Quand on a sorti pour manger. Tu as compté déjà? Tu as compté? Faut lui dire, elle a compté. Tout, tu as compté. Il n'y a pas un qui est resté. Il est bien, j'en viens bien. À quoi c'est compté? Elle dit quoi? C'est qu'elle a fait là, elle a bien compté. C'est ça. Ok. Tu n'as pas laissé un? Il est pas malade, il est à droite pour allons-y. Et là, quand on arrive maintenant là-bas. Vous l'avez même envoyé dans vos villages. Vous êtes là depuis, vous envoyez les sorciers sûrement ici. Oh, ils sont là-bas. Vous les envoyez sûrement. Si vous demandez, on va demander la condition. D'accord, il va me renseigner. Parce que quand on marche pas, on prend, on loue le car, ma voiture de carburant, c'est comme ça. Il n'y a pas de boulot, il y a le car de gros, ça s'est arrêté. Toi, tant que 4. Une seule famille peut m'envoyer, moi je suis sur le terrain, puis je règle un problème. Pourvu que le chef me dit, travaille maintenant, je commence. D'accord. Si vous voulez attendre les cadres, vous savez comment ils font les cadres. Souvent on prend la chambre, on leur donne sa vie de 4. Moi, elle allait dénoncer sa maman. Ils ne sont pas prêts. D'accord. Sinon, il y a longtemps, vous m'avez déjà invité. Il y a longtemps, vous changez ça ici. Et comme ça, il y en a plein chez vous là. Elle a mangé son mari. Comment elle a fait son mari? Le pauvre type. Tu penses que tu as une femme? Oh, c'est elle-même. C'est toi-même qui es femme. Oui, allons-y. Et quand on les envoie, on a bien payé puis que j'ai capturé. On les envoie maintenant là-bas, on les transforme maintenant. Vous les transformez? Voilà. En poulet. En poulet. Soit en mouton. Oui. Et c'est lui-même là, physiquement, qui a de l'argent. C'est-à-dire qui est Jean, qui a un qui est nommé Jean Peralet gradé, c'est celui en transforme en bœuf. Ah, en fait, quelqu'un qui a un cadre, voilà, qui est grand, voilà. Lui devient bœuf ici. Voilà, vraiment transforme. Là, c'est une viande même, c'est bœuf, c'est caillard. Okay. Celui qui a beaucoup d'argent, lui, il le transforme en bœuf. Mm. L'ingénie là, hein, ça c'est pigeon, c'est poulet. Ça, ça se passe. Et il y a ces pigeons de poulet, au moins ça vite vite. On peut les peu tuer, peu belle semaine. Ok. Non, allez-y, d'abord, laisse-le intervenir. On va tourner. Allons-y. Donc vous avez tué 17 personnes, c'est ça? Oui, j'ai tué 17 personnes. Tu l'as dit quoi? Il faut le dire, ça fait depuis 94. Mais on arrive. Non, on arrive. Quels sont les dégâts que tu as causés dans la famille? Tu as touché à qui? Tu as gâté la vie de qui? En tout cas, je n'ai pas gâté la vie de quelqu'un. Ah non, c'est pas possible. C'est lui que je voulais gâter. Ah non, c'est pas possible. Si vous faites les deux choses ensemble, c'est pas possible. Un sorcier ne peut pas tuer et puis c'est les deux. Donc, il faut avoir cette capacité de dire. C'est pas possible. Si tu es arrivé à tuer 17 personnes, c'est que tu as gâté. C'est comme ça. Ça fonctionne. Tu es sorcier. Hein? Non, toi, on sait. Ah, zut alors. Demande-lui son canari, là, en cas de déterré. On a une idée, on va nous en servir.
ni de akuna bi tuku o akuna bi kuro mle wa kono so sama gbisa mo ko so wa ya kale de tere mo ni ko na ba be wa o bere wa na wa bo sa bi na sa bi ah amo de wudi o le bi ni bo sa bi za ah do papa le se reale se di mo lo abu mo ti na ni sa bi mo bla na o ko se ba sa mo ko komplete fait sorcellerie. Tu es une vieille femme qui fait sorcellerie. Elle est la vieille. Mais tu es vieille qui fait sorcellerie. On t'a dit, on va aller déterrer le canal et tu fais quoi? Tu as gâté tes enfants, tes petits-enfants. On va aller déterrer le canal et tu es là. Tu es sorcière. Hein? As-tu pas le faire? Tu as tué. Hein? Je te parle à ma bouche. Hein. Tu as tué. Combien? Deux personnes. Lève-toi, Isaïe. Tu as déjà tué, c'est déjà quelque chose. Toi, comment un enfant comme ça, tu sais tuer l'homme? Hein? Allez, quoi? Eh, hey, Vinegui. Tu as tué qui? Tu as tué qui? C'est toi. Oui. Je te réfléchis à le temps de dire les dégâts que tu as causés. Elle n'a qu'à revenir encore sur le nom des gens. Toi, quand on te fait sorcellerie, tu tues puis tu ne gâtes pas. C'est pas possible. Tu as gâté qui? Donne-lui le micro. Mais petit sœur. Hein? C'est donc tu voulais jouer à nous alors. Tu n'étais pas sincère. Alors. Quelle petite soeur? Mais ton père aussi est là, tu l'as gâté. Tu as gâté, il faut le dire. Hein? Tu as peur de quoi? Tu es déjà dans l'eau. Le nom sorcellerie, ça veut dire gâte, tu es. Et puis tu as peur. Tu dis une petite partie, tu laisses une autre partie. Tes soeurs, combien de soeurs? Tu as gâté quoi dans la vie des deux soeurs? Faut commencer par le père. C'est-à-dire que... Comment c'est pour... Dis ça à sa femme. Il n'y a pas un sorcier qu'elle entend dans une maison. Il ne tue pas, il gâte, il vous touche chaque jour. Oui, c'est-à-dire qu'il a des matos. Il a des matos. Avant d'avoir ces matos, ça, c'était des petits appareils qui on louait pour aller dans les funérailles. C'est ça qu'on voulait... C'est ça que je suis à mettre en panique. Oh, son paye. Argent, tu as gâté. Oui. Ah, mais faut dire ça, tu l'entends dans appareil, sono. Ça, c'est quoi ça? C'est son argent, tu pas de sono, c'est pas ça. Non. Il parle de non, appareil. Ça veut dire quoi? Eh oui, ça vous intéresse, appareil. Quand même, son argent, tu as gâté son argent, tu n'as pas en train de rentrer ici. Où est ton famille de parler? Oui, lundi, c'est pas mon lieu de travail. Ah. Donc si il est fini à vous, si il ne part pas, vous savez combien de temps vous allez attendre. Et j'ai vu aussi la dispute entre lui et toujours sa femme. Tout comment lui. Tu crées ça? C'est sa fonction. C'est ce que j'ai venu faire ici. Elle s'est tuée. Tu connais la fête ici toi? C'est-à-dire, tantôt, vers le midi. Vers le midi, comme ça, quand on quitte l'école, on vient. Quand souvent il n'y a pas de la nourriture, et c'est là, et je crée des petites choses en lançant. Bon, mon ami, pardon, tu n'as pas envie de bien parler, va t'asseoir. Non, là, ce que tu dis là même, là, c'est rien de ce que tu fais. Ça n'a rien à voir. Allez, t'asseoir. On va s'occuper de son enfant. Va t'asseoir. Non, allez, après, je m'occupe de vous. Je vous appelais tout à l'heure. Allez, dans le micro. Vas-y, ça peut être un semblant. Ah non, je viens, je suis chargé, il va être délivré. Mais tu ne vas pas les censer. Moi, il te déteste. Ce que tu as fait là, tu n'as encore rien dit. Va t'asseoir, va t'asseoir. Va t'asseoir, va t'asseoir. Va t'asseoir. Allez, t'asseoir. Tu es sorti, il faut parler. C'est une occasion de parler. Tu rentres ici, tu sors là-bas. Moi, quand quelqu'un vient de parler, je... Ok. On peut maintenant changer ton démon. Si tu n'as pas fini de parler, on ne peut pas te délivrer.
C'est pas possible. Ouais, madame, bien, l'interprète. Elle a bien compté. Elle comptait son nom. Elle a compté. Tout. Tous les Anglais. Il a vu faire. En tout cas, elle a l'air. Ce que tu as fait à Tofla, dans ton village, du tout. C'est temps de l'avancer. Et puis, les, parce qu'elle a tué 27. C'est 27 personnes à tuer. Elle n'a pas tué 5 personnes. On a dit c'est soit c'est temps de l'avancer. Je n'ai pas compris. Elle a tué 5 de 50. Ok, allons-y. Donne le nom. Son grand-père, monsieur, Francis. Mais là, c'est sa grand-mère, grand-mère maternelle. La vie, on dit qu'elle a pas dit parler. Il y a un travail avec elle, un travail avec elle. Comment elle fait pour boire le sang de son mari? C'est devenu du vin maintenant. Comment elle voit le truc de son mari, son sang? Mais oui, c'est ça. Son cœur chauffe, le monsieur. Non, vous-même, vous n'êtes pas maîtrise. Elle fait de manger, elle boit bisapo. Bisap, du vin. Son foutu, graine, morceau, d'abouti l'homme. C'est pour ça que quand tu veux marier une femme, il faut bien regarder. Tu veux marier aussi un garçon, il faut bien regarder son visage. S'il n'aime pas trop Dieu, il faut le fuir. S'il aime le Seigneur, voilà, c'est une bonne chose. Il ne va pas te manger demain. C'est d'où? La nénée. La nénée. C'est bien. Ah. On dit ton sang est sucré. C'est plus que du vin. Ton sang est plus que du vin. Et pourquoi tu ne lui dis pas que c'est toi qui fais ça? Eh bien, je vais faire le bébé dans le yakan. Je ne peux pas dire. Pourquoi? Mais ça n'est pas fait. Pourquoi? Elle ne peut pas dire si elle dit. Elle va avoir honte. Parce que ça ne dit pas. Bon, honte et puis souffrant, tu choisis quoi? Quelqu'un souffre. Il est mal. Bon, la petite honte, tu ne voulais pas là. Voilà. Maintenant, il y a une grande honte sur toi. Il est mal. Président, tu dis à quel nom est zéro? Il a comparé des choses au niveau de. C'est dans ça où dit non, faut pas en parler des sorciers, faut pas en parler de. Elle dit quoi? C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait. Monsieur, on dit ton sang là, c'est du vin. Ok. Donc, tu fais quoi encore? La carte est qui? Il est militaire dans ce rêve. Elle a pas gâté. Tu as gâté qui? Mais elle a attaché toi et ses enfants. Donc, dans le nom des gens qui t'ont attaché. Oui, il y a eu une idée autrefois. Chilène est à vous. Chilène, on va venir ici. Chilène. Oui, Frida. Où elle est? Oui, Frida. Non, la faute est portée. Minda, Kaza. La Minda.
Il faut l'appeler quelque part là, sur la fin. Là. Elle a caché. Où? Oh. Il me parle de l'honneur. C'est comme ça, ils étouffent toujours les arbres attachés. C'est comme pour nous là. Quand on allait à Soroko, on a cassé les arbres, il y avait 23 personnes à couper. Nous on répète le coin. Non, la, c'est l'arbre est là. On a qu'à faire comment? Il va faire cala. C'est moi qui les ai attachés. Oui, si, si. Voilà. Vous lui demandez si c'est moi qui l'ai attaché. C'est pas toi. Non, non, donc, il fait lundi. Non, elle n'a qu'à les défaire. C'est vrai qu'elle les attache dans l'arbre. Et au fou. Va les défaire. Elle est au fou, hein. Ah! Eh bien, il est au fou. Ah, au fou, hein. Voilà, elle va faire. Wow, il faut aller faire ça maintenant. Elle est au fou, hein. Bah, on l'a vu. Tu les attaches pourquoi? Mais dis-moi, il est bien, oui, non. Je les attachais pourquoi? Ah, bien. Tu comme elle avait beaucoup d'enfants là, vous avez bouffé tout le temps. Tu as mangé. Il n'y a pas poulet dans ton village là-bas? Le mangaka flamingo. Il n'y a pas poulet, cabri, mouton. Le poulet dans le monde, dans le monde. Mais la le cabri est là, il y a un mouton là-bas. Mais pourquoi c'est l'homme que tu veux manger? Il y a un mouton là-bas pour tout le monde. Oui, quand il est le mien. Il n'y a pas de cabri, c'est l'homme là. Mais si toi on t'avait mangé là, est-ce que tu allais amener les enfants au monde? Il était d'abord où ils étaient. Toi tu es une mère, au lieu de protéger les enfants, toi tu les manges. Il y a des. Oui, ils étaient venus maintenant, tu ne voulais rien. Elle dit quoi? Moi. La fille est où? La bague. Mais quelqu'un a attaché, comme ça va se balader. Oui, c'est son enfant. On a attaché dans l'arbre, non? Mm-hmm. Mais c'est normal qu'elle. C'est bizarre, bizarre. Oui. Au complément, elle est plate. Elle est attachée comme ça. Elle veut la manger, c'est tout. C'est celle-là? Oui, oui. Tu as fait quoi, celle-là? Il peut créer les cafards. Il faut le regarder, puis lui, dis-lui ça. Allez, dis-lui ça. Voici la voici. Elle doit savoir ça. Ce que tu appelles ciel, il faut dire. Il faut bien parler. Il faut bien parler. Tu nous dis ce que tu as fait si elle. Et quand tu nous dis que tu as fait des crêpes, tu as fait des crêpes. Elle veut te manger sans crêpes. Il y a un peu de crêpes. Il y a un peu de crêpes. Il y a un peu de crêpes. Je lui demande, mais est-ce qu'il n'y a pas cabri? Il y a cabri, mais c'est toi là, elle veut mettre en sauce crêpes. Elle est doux. Il y avait la manière de sauce crêpes. Je lui dis, mais oui. C'est sauce crêpes aussi. Ou bien sorcier braise. Ou bien il m'a un frère. Sorcier m'a pas frère. Si on vous explique comment fonctionne la sorcellerie, là, vous allez même aller en. Vous allez plus chaud que moi. Moi, je me pose la question pourquoi les hommes de Dieu ne font pas de ça leur combat. Donc, moi, je les regarde. Parce que pendant que nous sommes là, là, ils sont en train de travailler. Chaque nuit, les sorciers tuent. Chaque nuit, ils empêchent quelqu'un de se marier. Ils empêchent les gens d'évoluer. Bon, Jésus revient, ok. Mais Jésus-Christ a combattu les œuvres du diable. On dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tant que les œuvres du diable ne seront pas détruites, il sera difficile de voir les gens avancer.
Vous voulez prêcher l'évangile, pourtant ce sont dans Ab. Ton fidèle est là, il est dans Ab. Tu dis Jésus, il est venu, mais il est là, dans Ab. Et puis demain, on le met dans sauce graine. On le mange. Et tu dis, le Seigneur l'a pris, paix à son âme. On s'en l'a mangé. C'est vraiment ridicule. On va les sorciers, les gens. Vous n'avez pas la capacité de détecter que telle personne est attachée dans A, telle personne est attachée. C'est ça que la Bible dit. Un aveu ne peut pas conduire des aveux. Ils tomberont tous deux dans un même fossé. Jésus-Christ, là, c'est le terminus. Qu'on arrive là, Dieu doit nous faire prospérer. L'Église doit faire prospérer les gens. C'est ça qu'il faut étudier la vie de tes fidèles. Quand quelqu'un n'évolue pas, amène-le à la délivrance. Parce qu'on a toujours besoin d'être délivré. À chaque étape de notre vie, on a besoin d'être délivré. Parce que l'homme a fait pour prospérer. Donc, l'apôtre Paul dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. À tous égards, dans tous les domaines. Ton foyer doit marcher. Ton commerce doit marcher. Tes activités doivent marcher. S'il y a un blocage, c'est qu'il y a une main obscure qui est venue bloquer ça. C'est ça qu'il faut regarder la vie de tes fidèles. Si j'ai une maladie bizarre, priez pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Ne les accusez pas pour dire non, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Non. On prie pour toi, tu n'as pas la foi, il faut croire qu'il sera guéri. Toi, crois que quelqu'un sera guéri. Quelqu'un l'a mis dans la bouteille. Il a dû les lutter même. Quelqu'un l'a mis dans la nuit, excusez-moi. Comment il va sortir? Bien, monsieur, s'il a mis l'enfant, son fils est né dans son anus. En sorcellerie. Là-bas, la main qui n'est pas bon là, pour sortir encore, c'est là-bas tes mains. Comment tu vas respirer? Comment tu vas avancer? Et les gens pensent que ce sont des illusions, c'est parce que. Mais, non, c'est une réalité, triste réalité. Pendant que nous sommes en train de dire, ils travaillent, ils ont un système. Il faut les combattre. C'est comme quand le banditisme s'installe quelque part, mais l'État déploie tous les moyens pour arrêter le banditisme. Les sorciers sont des délinquants. La délinquance spirituelle. Ce que vous voyez en rêve là, Marie de nuit là, c'est la sorcellerie. C'est pas un esprit qui vient, c'est un sorcier qui se déguise, qui fait l'amour à toi. Mais quand tu finis à te mouiller, tu as l'impression que tu as fait l'amour. Mais c'est sorcier. Il te regarde quand il dit, bon, toi, si il vient te draguer, t'as dit non. Ben moi-même, je suis moche. Donc rendez-vous la nuit. On a vu un monsieur comme ça. Il a touché à toutes les femmes du village. Quand tu le regardes là, les gars, vraiment, on laisse son visage, on crée, il va vous faire monstre. Il est très moche. Mais la femme l'a touché dans le village. Reste tranquille. Donc il dit à une femme, une belle femme. Vraiment, quand il est prêt dans le village là, tu dois dire ce que tu as fait. C'est ça que souvent on met du temps dans un village. Si on t'a pris là, tu fais son sujet qui, tu dis le nom, il vient. Ce que tu as fait à qui, il vient. Il parle. Donc il a dit, il a fait ça, il a fait ça, il a une jeune fille, elle ne croyait pas, il dit non, comment toi tu fais coucher moi? Il dit si, je suis rentré dans ta chambre, tu avais, j'étais mis nu. Bon, ça elle discutait, mais oui, hein? Nu, tout ça, elle discute. Ok. Il dit bon, j'avais un slip rose, ça c'est un truc, j'ai perdu, non? Elle bavarde, il dit c'est chez moi. Eh ben, regarde, il allait envoyer. Son chien m'a envoyé. Elle a commencé à pleurer. Demandé si c'est vrai. Eh, le gars, il a fait, tu discutes. Tu l'as dit, non, elle a honte. Le gars, il dit, c'est chez moi. Il a fini là-même, il a laissé ça comme souvenir. Tu l'as gardé ça chez moi. Bon, sorcier qui a slip, ton dessous, comment tu vas avoir mari? Les plus grands jaloux sont eux. Hein? Quand ils commencent à être sur vous, là, ils vous voient en leur femme. Hein? Donc un monsieur, celui qui veut démarrer, lui vient, il matraque le monsieur ça va. Le monsieur te donne tout son numéro, maintenant tu l'appelles demain. Orange me dit bonjour, vos correspondants ne peuvent pas se joindre. Mais le monsieur ne va plus te recevoir, il a fui, il ne va plus te marier, le mariage est fini. Tu l'entends normal, chacun a son nom. Il n'a qu'à comment tu vas voir, non? Mais quand ils sont sur toi, jamais tu vas te marier. Toi, tu es maman. Elle, c'est la fille. Au lieu de la protéger, c'est dans Ab.
C'est les 5 jours bien. Mais c'est 5 qui va dormir dans un. Hein? Un enfant vient, là, le problème c'est maman. Maman, mais toi tu vas loger, attacher ta fille pour la manger. Ah! Dis-lui ça. Elle est 5 jours bien. Non. Il y a. Quand tu as un problème, c'est bien les parents, tu cours. Et tu cours, ils puissent te consoler. Oh, c'est elle-même qui est la base de ton problème. Et puis tu dis non, c'est doux, il est magé. Tu l'as attaché dans Ab. Tu l'as attaché dans Ab. Je vais pas venir, man. Attends, je vais te prier. Tu vas prier pour toi. Tu vas à l'église. Tu vas pas bien, bien. C'est pour ça que sorcier veut te manger. Son grain est foutu à côté. L'homme doit aller à l'église. T'as vu? Quand tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas protégé. Tu as compris? Si tu quittes ici, là, le pied de Dieu est ton pied. Il faut aller à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas être protégé. Aucun fétiche ne peut vous protéger. Tu as vécu même ta maman, tu as vécu tout le temps avec elle, mais tu ne l'as pas connue. Donc, c'est ça. Tu savais que ta maman était sorcière? Ah, tu as vu? Donc, ça veut dire, on peut vivre avec quelqu'un sans le connaître. Sans le connaître jusqu'à ce que Dieu. Et puis, c'est une grâce de Dieu qui l'a conduit ici. Sinon, sorcier t'attrape, il ne te laisse pas. Donc, cette grâce-là, ça veut dire que tu dois te convertir. Si Dieu te fait la grâce de le connaître, d'échapper à cette mort-là, tu dois le connaître. C'est cette femme-là que tu veux manger. Oh, dis oui, ta bouche là. C'est celle-là. Tu as mangé. Tu as pensé à celle-là. Celle-là. Voyez son enfant. Quand tu as tué celle-là, qui va donner tout ce qu'il a fait. Demande-lui. Non. Il est passé un insultable de Diapona à l'univers. Vous n'avez pas de mémoire, mais ça dit vous-même, vous êtes sans état d'âme. Vous posez un acte sans réfléchir. Vous pensez même aux dégâts. Mais il y a des dégâts énormes. Toi, tu penses seulement à viande, tu as mangé, tu es content, tu vas boire du sang, tu vas boire le sang de ton mari, du vin. Mais et l'enfant? Tu tues la maman et l'enfant. Même toi, ta grand-mère, tu ne peux pas lui donner l'affection qu'il fait pour. Parce que même toi-même, tu n'es pas amour. La preuve, c'est que tu as mangé sa maman. Là, tu vas la manger après. Petit hérisson. Dans une petite mamie. Un peu hérisson. Si tu as mangé biche, ce n'est pas hérisson, tu as dû louper. Tu as mangé bien hérisson. Petite sauce, tu mets le tomate dedans. Tu manges. C'est grave, hein? Madame, c'est grave, hein? Elle dit quoi, oui. Ouais. Grave, on verse lui sur toi. Oh. Non, lui, c'est l'endroit verser le ciel. Ouais. Seigneur, merci. Nous te prions dans ta souveraineté et dans ta puissance de libérer cette sœur. Nous brisons les chaînes. Les chaînes de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ. Je prononce sa délivrance et je délie son âme au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et là, ben, dans la cour là-bas, oh ouais. Donc, il faut donner les instructions, n'ont pas coupé l'arbre. D'accord. Avant que... Voilà, n'ont pas coupé l'arbre là-bas. D'accord. Voilà, on a fini. Elle a besoin de mettre, on a besoin de mettre le ciel. Voilà, il vient tout ça. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Il y a une là, où les deux autres? Soit Abidjan. Soit Abidjan. Dis-moi le nom. Il est quoi, toi, fille? Mais oui, il a raison. Il est Wilfried. Il fait quoi? C'est un étudiant. Il a son bac. Il
l'année passée. Maintenant, l'autre, comment j'avais? Bon, l'autre, d'un coup, il est venu un matin, il m'a dit, bon, lui, il va faire la l'école. Il a mangé l'école. Il est passé en cinquième, en 11 mois. Un an après, je suis allé pour l'inscription. Il a fini d'inscrire tout, tout, tout. Puis il me dit, un matin, il m'a appelé, il dit, bon, il ne peut pas aller à l'école. Qui a fait ça? La gouverneur. J'ai mangé. Il était acré. Acré. Il a dit, c'est elle. Comment elle a fait? Il veut que le cas là. Non, elle a un cardinal. Quand elle parle, elle ferme. Qu'est-ce que tu fais? Elle parle, elle est enferme. Elle parle, elle est enferme. Eh bien, non. Il est la grille pour aider. Cardinal. Oui, c'est ce que j'aime. Il est la grille pour aider. Il a dit, il est il me fait une fois, il me fait une fois, il me fait tout une fois. C'est pas ça? Il est quand même. C'est vrai. Mais pourquoi tu dis pas ça? Il est même négatif. Bon, maintenant, va t'asseoir. J'ai l'impression que tu es me fatigué. Allez, va t'asseoir. Nous allons tenir debout pour prier. Tu vas prier et tu vas demander la grâce et l'intervention du Seigneur. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous prions. Je suis en train de me faire un peu de temps.